tragique. Insoutenable est la situation que vivent les agents mairie de Wesso, Mossendjo, Kayi et Doulizi qui cumulent, pour certains, 51 mois d'arriérés de salaire. Aujourd'hui, bon nombre d'entre eux se sont transformés en agriculteurs, commerçants et autres, d'où les absences constatées dans les services. À ce sujet, le collège syndical des quatre mairies, Wesso, Mossendjo, Kayi et Doulizi, s'est retrouvé en Kayi ce mercredi 26 mai en Assemblée générale et a produit une déclaration dont la teneur suit. Depuis 2017, date à laquelle les nouveaux conseils municipaux ont été mis en place, l'intersyndicale des mairies de Doulizi, Kayi, Mossendjo et Wesso, observant jadis une grève afin de permettre aux nouvelles autorités nouvellement élues de travailler en toute sérénité, tout en préservant d'une part les acquis du dialogue social décrété par le gouvernement de la République et d'autre part la paix sociale, credo cher du chef de l'État, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, malheureusement, et ce malgré la bonne volonté des agents municipaux de dite mairie pour accompagner l'État, force est de constater que les travailleurs des mairies suscitées croupissent de nos jours dans une misère sans précédent. Car les salaires ne sont plus reversés voici plusieurs années. Pour s'en convaincre, la situation des impayés dans ces mairies se présente comme suit. Doulizi, 45 mois. Kayi, 45 mois. Mossendjo, 51 mois. Wesso, 50 mois. C'est ainsi que, suite aux injustices sociales observées depuis un certain temps au niveau du traitement des agents municipaux, l'intersyndicale des quatre mairies précitées exige au gouvernement de la République 1. La purement sans condition des arriérés des salaires des travailleurs des mairies précitées. 2. Le versement régulier des salaires des agents municipaux au même rythme que les fonctionnaires de l'État. 3. Le dénouement de la situation des agents municipaux retraités au niveau de la CNSS pour leur prise en compte. Toutefois, la grève suspendue en 2017 pourrait être relancée dans un délai d'un mois, ceci à partir de la date de la dite déclaration, au cas où les revendications susmentionnées ne trouvaient pas satisfaction.